Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur City Skyline Campus. Alors, on voit qu'on a beaucoup de problèmes. Donc oui, regardez, hein, j'arrive pas encore à régler le problème, mais on verra bien. Petit à petit, ça va se régler, mais tout ça, je réglerai en vidéo. Alors, on a plusieurs choses. On a une demande ici. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup de morts apparemment. Donc, on va... Niveau crématorium, c'est limite. On va peut-être déjà faire ça. Voilà. Et niveau hôpital, c'est pas la joie non plus, hein. Donc, on va faire ça. Ça serait déjà pas mal. Alors, l'idée, c'est que j'aimerais... Bon, une fois voir ici. Ah, on a réussi à remonter. Ça, c'est bien. Travaux académiques, on n'en a pas encore. On va faire artisanat pour une fois. On va augmenter un peu le budget. Hein. Ouais, voilà. Alors, j'aimerais bien mettre des monorails. Voilà, je l'avais dit la dernière fois. J'ai un peu regardé. On va mettre des monorails. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire des monorails. Donc, un monorail qui va tourner ici et qui va aller jusque là-bas. On va peut-être le faire passer du coup par ici. En fait, j'aimerais pas détruire trop mon. J'aimerais pas détruire mes trams. Mais j'aimerais quand même essayer de voir si on peut un peu remplacer. Et donc, on a des monorails. Un monorail qui fait ça. Donc, l'idée, c'est que. On pourrait peut-être. Ce serait bien un monorail qui fait le tour ici. Un monorail qui fait le. Ou alors, on fait juste un monorail qui arrive ici. Et hop. Ouais, on va faire ça. Donc, on va commencer, hein. Hop. Alors, j'ai trouvé des monorails. Donc, là, pour le moment. J'ai trouvé des monorails avec, allez, avec trois voies. Pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de ça. On a besoin des doubles voies, mais on va quand même les tester. Ça pourrait être pas mal. Hop. Alors, c'est avec tous des arbres. Je sais pas si ça donne bien ou pas. On va faire ça pour le moment et on va un peu voir comment ça va évoluer. Si c'est bien ou pas. Donc, on fait déjà ça. Voilà. Alors, on va mettre maintenant. Ah, on va peut-être déjà faire la route, hein, tant qu'on y est. Ah, ça va pas. On va les déplacer du coup pour le moment. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ah ouais, pas dans la zone, c'est ça. Alors, est-ce que maintenant on peut? Oui. Et on peut continuer. Parfait. Parfait, parfait. On continue du coup. Alors la question, c'est genre ici, à un moment donné, on va le laisser partir. Je sais pas trop, j'hésite. On va peut-être le faire partir genre vers là. Ok, on va mettre une petite station. Voilà, on va la mettre genre là. Parfait. Alors, j'aimerais bien du coup mettre ici des stations. Donc, on va en mettre. Ah ouais, c'est quand même. Pour les mettre, ça va être un beau petit bordel, hein, quand même. Et ça crée beaucoup de pollution sonore. Ça va être assez amusant. Voilà. Et on va reprendre ça. Alors non, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. C'est plus ou moins bon. Tac, tac, tac. On remplit un peu ici. Voilà. J'ai vu qu'ici, il y avait aussi un manque qu'on va remplir. Voilà.
Ok, donc on va faire 1, 2, 3 et peut-être 4. On teste 4. Et il faudrait qu'on ajoute ici tout ce qui est ambulance et tout. Enfin, tout ce qui est police. Ok, alors ça c'est 1. On va mettre le deuxième. C'est dommage que j'ai pas des trucs à 3 routes. Des arrêts à 3 routes. Ah, je pourrais mettre le maglev. Hein. Non. Celui-là aussi, je crois qu'il a que 2 voies. C'est vrai que c'est un peu con. De faire des routes à double voie, à triple voie, si au final, avec 2 voies, ça ne va pas. C'est pas grave. On va mettre les originales, les originaux. Et on verra bien après. Alors, je vais mettre peut-être ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord un peu détruire. On va remplacer. Je crois que finalement, je vais en mettre que 3. On verra bien s'il en faut plus ou pas. Allez, ce serait bien de pouvoir le garder, mais... Ok. Alors, on va du coup continuer avec ça. Voilà. Ok, ici, on va aussi faire ça. Voilà. Alors ici, on devrait peut-être remplacer. Ah, on peut pas tourner à ce point-là, aussi fort. Donc 1, 2, 3. Ok. Alors je mettrais bien un petit arrêt quelque part ici. Est-ce qu'on testerait pas un petit arrêt genre ça? Voilà. Et on va reprendre du coup notre truc. Il est beau. Hein. C'est quand même joli. En fait, ça a rien changé. J'ai pas. J'ai toujours pris le même, en fait, hein. Non? On dirait. Bon, en tout cas, c'est pas adapté. Ok, alors là c'est bon, on va connecter encore maintenant. Parfait. Alors, niveau électricité, est-ce qu'on est bon? Hop. Bah écoutez, pour le moment, on a l'air bon. On va peut-être mettre. Où est-ce qu'on fait? Là. Voilà. Donc, on va dire, tu vas de ici à là-bas. Et puis, tu fais un petit tour complet. Allez. Pourquoi pas? Ah oui, il peut aller que comme ça. Bah ok, on va faire donc. Ah oui, c'est vrai que là, ça va pas le faire en fait. Va falloir voir parce qu'il faut que ici on puisse quand même faire notre, qu'il puisse retourner aussi de l'autre côté. Hein. Voilà.
Est-ce qu'on peut le mettre de l'autre côté? Non. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est on le déplace là. Voilà. Comme ça, ça. On fait ça. Et maintenant, on va essayer de le redéplacer, le remettre directement dedans, si possible. Non. Ah, ah, oui. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on fait notre trajet. Pom, 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 pom. Là. Comme ça. Moi, j'aimerais bien que tu ailles là, que tu ailles ici. Tu continues là. Tu retournes ici. Voilà. Tac. Et voilà. Bouclé, bouclé. Moi, je dis, c'est parti. Ok. On a lancé notre premier monorail. J'espère que... Ça sera cool. J'espère qu'il va y avoir du monde, en fait. J'aimerais bien. Après, on touche pas beaucoup de gens, hein, donc... Peut-être que ça va pas vraiment marcher ici. Alors, on va mettre la police, parce qu'il y a une demande pour la police. Un grand commissariat. Ouais. Parfait. Alors, ambulance. Si j'en mets une ici, non. Et si je mets une grande ici? Ouais. Parfait. On n'avait pas les hôpitaux qui veulent, là. Un dépôt d'hélicoptère médical. Ouais, c'est pas mal, ça. On va en mettre un. Ça peut toujours être utile. Et les pompiers. On va aussi mettre une caserne quelque part. Voilà. Ok, alors. Qui sont nos monorails? Voilà. Regardez ici. Ça s'est fluidifié. Ah oui, ce que j'avais aussi fait hors vidéo, je vous ai pas montré, c'est ça. J'ai fait un petit trajet pour voir si ça allait marcher. Et apparemment, ça marche. Et là aussi, ça marche. Donc ça, je suis content. C'est cool. Je suis content, c'est cool, tout marche bien. Alors ici il y a du monde, 14 quand même. Allez, ça c'est bien. Donc l'idée c'est que j'aimerais bien peut-être remplacer... En fait j'aimerais bien trouver un endroit où je peux mettre genre des trams et des monorails. Ce serait génial. Le premier problème des monorails en fait c'est le bruit quoi, ils ont une onde. Je devrais peut-être trouver certains qui font moins de bruit pour juste histoire de dire quoi. Alors, notre école polytechnique, là, ça se passe comment? Politique, ok. On arrive bientôt à... Dans cette semaine, c'est la fin de l'année. Capacité d'étudiants, 1370. Enfin, on est 1370 sur 6500. Hein. Vous savez quoi? Oh, regardez, on a beaucoup plus de victoires maintenant. Ça, c'est cool. C'est bien, ça. Content. On va en profiter pour mettre encore un nouveau sport universitaire. What, on a tout débloqué? Oh, je rêve de mettre ça. Un énorme stade de football américain. Oh, oh le bonheur. Oh, ouh, ça je sens que... Je sens que ça peut être intéressant. Alors, est-ce que ici on a du monde quand même? Regardez. Là, il y a le tram. Ouais, c'est sympa. Franchement, je suis content de notre ville. Je la trouve vraiment jolie. Bon, on voit qu'il y a pas mal de petits soucis. Par-ci, par-là, hein, évidemment. Et là, c'est un mort qui attend d'être transporté. On verra bien si peut-être avec l'hélico, ça va peut-être aider. Ou pas. On va vite regarder si on, combien on transporte. On en transporte déjà 56. Hein. C'est plutôt pas mal. Et voyez, peut-être au lieu de mettre ici un tram... Un monorail, ça pourrait être intéressant. J'ai envie de vraiment faire zou, zou.
Je sais pas. Je me tâte. Parce que les trams, c'est quand même joli, quoi. Mais ici, ça crée pas mal d'embouteillages, par exemple. 13, 45. Et on en prend combien, là? On en prend 2461 par semaine. C'est énorme, surtout les 38 000. Mais bon, on va arrêter cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!